Nous faisons cette intervention aujourd'hui pour commémorer avec tout le respect du monde le 4e mois, 120 jours, jour pour jour, depuis Jovenel quitté nous en babal assassin. En effet, à titre de rappel, pour ceux qui ont la mémoire courte, Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021. Il a été assassiné chez lui. 28 étrangers assassins colombiens ont fait irruption chez lui et l'ont lâchement et l'ont froidement assassiné devant sa femme, devant ses enfants. Et sa femme y a échappé belle après avoir reçu plusieurs balles au bras. Les enfants ont été épargnés miraculeusement. Ils sont sains et saufs, mais ont dû avoir une expérience traumatisante. Donc aujourd'hui, quel est le bilan? Où sommes-nous sur le plan national, sur le plan international? Donc, comme d'habitude, nous allons faire une analyse et voir comment avancent les choses. Comment est-ce que la justice nationale et la justice internationale avancent pour rendre justice à cet assassinat crapuleux? Nous allons voir et faire une analyse pour voir, suite à la requête du ministre des Affaires étrangères d'Haïti, demandant une enquête internationale, comment avancent les choses? Est-ce qu'on ressent une lenteur ou bien est-ce que les choses avancent rapidement? Quelle sera la réaction de l'Organisation des Nations Unies? Quelle est la réaction du secrétaire général de l'OEA? Quelle est la réaction maintenant du gouvernement jamaïcain? Parce qu'en plus, nous avons maintenant le gouvernement jamaïcain impliqué dans une entraide judiciaire. Quel est le comportement du leadership? Aujourd'hui, les assassins du président sont toujours dans la ville. Ils opèrent dans la ville. Ils marchent dans la ville. Ils sont partout dans la ville. Et ils sont même en position de vouloir mettre un système sur pied pour attaquer ceux et celles qui demandent justice pour le président, qui défendent la mémoire du président Jovenel Moïse, et mettre sur pied un laboratoire pour créer la confusion et attaquer le caractère physique et politique de chacun et chacune des personnes demandant justice pour le président. Ceci est trop. Jovenel ne méritait pas ça. Et pour ça, eh bien, nous allons nous battre. Nous allons nous battre jour et nuit, jusqu'à la dernière goutte d'eau, jusqu'au dernier souffle, pour demander, pour crier haut et fort, justice pour Jovenel. Justice pour le président Jovenel Moïse. Est-ce que cela veut dire que nous sommes jovenelistes? Est-ce que cela veut dire que nous participons à un mouvement politique? La réponse est N-O-N. Non. Nous sommes des citoyens haïtiens. Nous respectons la mémoire du président Jovenel Moïse et nous le faisons par conviction personnelle, non pas pour des gains politiques, parce qu'il est nécessaire pour que notre pays, notre peuple connaisse la vérité, pour que le pays ne subisse jamais plus un événement pareil. Et pour ça, il faut tracer un exemple et il faut rendre justice. Pas à cause d'un projet politique, mais à cause d'une quête, à cause d'une poursuite pour savoir la vérité. Et c'est essentiel de caractériser cette demande comme une demande citoyenne qui n'a rien à voir avec des mouvements politiques. Donc, je vous remercie d'être avec nous et je remercie le journaliste vedette de la diaspora, M. Chenet Nérette, de Haïti on Demand,
Je remercie aussi le citoyen engagé, l'analyste, Monsieur Evans André, qui est avec nous pour la première fois, pour cette petite demi-heure pour discuter et échanger des idées de comment est-ce qu'il voit cet assassinat, qu'est-ce qu'il pense qui devrait être fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, nous allons commencer avec une analyse au point de vue national. Qu'est-ce qui a été fait comme bilan sur le plan national? Donc, Chenet Neret et Evans André, en commençant par Chenet Neret, côté nous y est aujourd'hui là, et qui, selon nous-mêmes, OK, nous qu'a avancé dans la question. Et justice pour président Jovenel. Tout le peuple qui a crié justice, qui ça qu'a fait? PM, c'est un plaisir pour moi avec vous, Mathéen, pour me partager le plateau avec Evans. Le 7 juillet, 7 novembre, jour pour jour, ça fait 4 mois. Et dernière fois, nous étions là, nous étions lancés sur une forme de conversation qui était le mois d'octobre. Et nous croyons que les réactions ont été dites pour beaucoup, comment mon yo était manifesté, comment ils ont participé. Et je dis à nous venir là encore pour nous faire une suite avec même type de conversation, ça y est. Et pour nous garder exactement qui ça a fait, nous croyons qu'il y a un pile bagage qui a développé. Nous sommes obligés de parler de YouTube. Intimidation, nous connaissons surtout sous jugement. Nous avons une belle nouvelle qui sortit là. Mais pour diaspora, nous croyons que le travail là, c'est toujours sous plateforme, sous réseau sociaux. Moun manifeste en pile mécontentement, mais nous pouvons capable de tenir réellement un pourcentage fort où nous sommes capables de dire que. Définitivement nous concerner. Et je dis à nous venir simplement pour nous rassurer en tant qu'une plateforme diaspora, moyen technique que nous sommes capables de continuer à engager, à savoir sénateurs, députés, nous gagnons des informations que nous sommes capables de partager avec eux, numéro de téléphone que nous sommes capables de partager avec eux, puisque ça nous demande d'aller aussi simple tant qu'on fait que ce délit, c'est justice pour président Jovenel. Et nous sommes là, nous sommes avec vous, nous là ensemble dans ce plateau, nous allons continuer de ça. Donc, sur le plan national, à titre de rappel, et après assassinat, okay, donc, tu as des arrestations que tu as faites. Donc, tu as 44 arrestations que tu as faites. Et tu as gagné plusieurs personnes qui t'ont sauvé, parmi lesquels, et un Colombien qui est Carlos Palacio, que tu as sauvé. Le li sauvé, Kounia, nous voyons que, eh bien, la justice internationale t'a activé d'elle, mais pas de jeune personne. Et d'un monde qui est en prison, il y a 44 personnes qui sont en prison, parmi lesquels le chef garde présidentiel là, Dimitri Erreur, et Civil Laguel qui est en prison tout. Et ensuite, il y a une série de Colombiens qui sont en prison. Nous avons vu que les Colombiens ont été en moins, ils ont dit que ils ont perdu 30 ou 40 livres, donc prison à Haïti n'est pas bon. Donc ils ont demandé au gouvernement par eux pour faire une intervention pour eux. Pour que y capable gagner de meilleures conditions de vie. Et ensuite, il a nommé un juge, donc ça c'est à titre de rappel. Il a nommé un juge qui est juge Mathieu Chanlat, qui était nommé. Et juste après, nous avons eu assassinat greffier juge Chanlat. Et juge Chanlat était plaint de ce qu'il n'a pas de sécurité, etc. Donc, et monsieur était à l'école. Ensuite, il a nommé un deuxième juge, qui c'est juge Gary Aurélien. Et nous mettons son genou ça. Et juge Gary Aurélien, comment c'est faire un travail, comment c'est convoquer les gens, comment c'est étendre plusieurs monde, et parmi lesquels Dimitri Erreur et l'autre monde qui ont même été impliqués dans la mort président, eh bien, nous voyons que ils font attaque sur juge Gary Aurélien. OK? Ils font attaque, ils cassent le bureau, monsieur. Et imaginez de tout côté, ils ont cassé le bureau, monsieur. Ça a son forme d'intimidation, tout. Et pour décourager, monsieur, certainement, parce que après ça qui passe avec le juge Mathieu Chanlat, là, qu'on y a juge Gary Aurélien, ils ont cassé le bureau, monsieur. Et puis même, le bureau a vandalisé. Et ensuite, ils ont criblé la machine, monsieur, avec balle. Tant que vous voyez un signal, son signal, vous voyez, pour le faire attention. Parce que nous connaissons que l'assassin, il est toujours dans la ville là. Et. Nous connaissons qu'il a fonctionné dans la ville. Donc, nous gagnons
Et depuis là, ça n'a pas aucune nouvelle arrestation faite en Haïti. Plusieurs mandats émettent contre présumés et assassins et président Jovenel Moïse, mais tout le monde est toujours dans Maron. Et donc, dans ce sens-là, on a Dodov Jao, on a Badio Joseph, on a John Joel Joseph, Pasteur Bataille, ou bien Madame Wendell Koch, qui lui-même était dans le premier coup d'État, elle est dans le deuxième coup d'État. Bon, Dame Zahar lui-même est toujours dans le mouvement Zahar. Et ou pas senti que vraiment il n'y a aucune mesure qui prend jusqu'à présent pour trouver commanditaire assassinat. Ok, un n'est pas clair. Un n'est pas clair. Commanditaire financier, commanditaire politique, il est toujours dans la rue. Ok? Et donc, sous point ça, d'ailleurs, mais que nous font analyse et puis prennent des opinions. Et donc, nous gagnons Evans et André avec nous là. Et ou même, qui j'en que vous ressenti, qui j'en que vous ressenti question assassinat et puis qui sont ouais, et qui j'en ouais que bah, vous avancez. Thank you, Laurent, for having me. Thank you, Chanel. Pleasure. To better understand the situation, the current event in Haiti right now, il faudrait que nous avons remonté depuis son lendemain Jean-Jacques Dessalines et suivre chaîne d'événements qui arrivent après la mort Jean-Jacques Dessalines pour nous arriver à la mort Jovenel Moïse, pas vraiment d'aucune différence. Parce que Jovenel, président, a commencé à faire des réformes et à partir de réformes que le président Jovenel a fait, une série de chiffres qui sortent, particulièrement dans l'histoire de pétrole, dans la télécommunication. Et je suppose qu'à partir de tout gros chiffres que le président a avancé, bon, il y a des gros intérêts qui menacent. Donc, ceci étant dit qu'il y a un événement privé le 6-7 juillet et le 6-7, au jour de la mort président. Et Haïti, son pays qui hijack, si vous voulez, son pays qui driven by force, ou bien des mondes qui au pouvoir en Haïti depuis 200 ans, c'est-à-dire que son système qui kembe l'État, et nous avons expérience au fait dans plusieurs coups d'État. Dans plusieurs assassinats de président, fait déjà. Depuis qu'on a un monde qui a fait des intérêts, et les peuples, toujours gagnent, fini par justement s'activer le président Jovenel Moïse. Donc, je dis là, et malgré que je me suis que qu'il y a un pile de monde qui a arrêté dans l'assassinat du président, un pile de monde qui a cherché toujours jusqu'à présent, bon, nous avons pas vraiment de gros efforts à faire. En dehors de deux, trois mobilisations populaires qui fêtent, notamment dans le nord, le nord-ouest, et peut-être dans la diaspora aussi à Miami. Mais nous pas avec grand-chose qu'a fait. Parce que nous avons un gouvernement là en Haïti, malheureusement, nous avons que pas une grande action de gouvernement qu'a pris pour amener peut-être une force internationale ou bien une enquête internationale pour avoir une lumière pour le président. Donc, son pays actuellement, là, nous ne savons pas qui s'est capable de diriger. L'État a délabré. D'ailleurs, l'État lui-même, c'est dans la saline qu'il y a actuellement. C'est sous zone défavorisée. Là, c'est là actuellement nous donnons l'État. Parce que nous voyons que l'actuel chef gouvernement l'a dirigé sur un bord. Et puis, une équipe de force, soi-disant révolutionnaire, dans le pays, qui a dirigé. On sait de l'autre zone dans le pays. Hein. Donc, pas de l'ordre, pas de justice, c'est le chaos. Donc, que faire? Que faire, c'est ça que, justement, que ou même, justement, PM Lamotte t'a demandé, et peut-être un pilote qui m'a demandé le tout. C'est peut-être une institution internationale qui peut avoir une enquête pour nous jeter plus de lumière dans la mort président. Parce que si c'est sous gouvernement haïtien, avec la justice haïtienne que nous avons compté là, justement, nous n'aurons nulle part. Nous ne pouvons pas aller aucun côté là, avec ça là. Déjà 4 mois, en dehors de l'arrestation que faites là, nous avons ouais, intimidation qu'a faite de part et d'autre, sous juge,
sous on sait de l'autre monde. Donc, qui est-ce qui parle de la justice là, dans la circonstance que Bayou est qu'on y a là? Pas quoi que vous avez espoir là, du tout. Evans, si Chenel lui-même bon l'autre. Yeah, Evans, moi mes approches là, moi mes débutants, malgré que vous dites, si n'a fait une rétrospective depuis comment ça a été fait, ou nommé non après Jean-Jacques là, mais simplement, on est capable de dire que n'a vu non l'autre temps, différents temps, temps pas même. Moyen de communication, si bien volonté réellement vrai, je pensais que mécanisme, façon pour être capable réellement mettre tout bas sous table de la jeune justice là, lila parce qu'on a vivre dans le 21e siècle quoi que si gagné des états de droit qui établissent, si gagné réellement des investigations qu'a fait, c'est sûr que n'a jeune un résultat. Et PM se dit un bagage qui est important, ou capable que nous sommes même capable garder qui est-ce qui peut faire quoi, parce que tellement gagné des bagages pour nous essayer fait. Et c'est là me trouver que type de conversation, ça y est, rappeler Mounio que nous avons responsabilité. Et nous croyons que pour génération, moi-même, je décide de me dire, moi-même, moi, là, dans la conversation, il fait sens pour nous connaître exactement qui est-ce qui fait quoi. So, je parle de différents temps parce que moi, les technologies permettent, je veux dire, comparativement, sans s'apathier dans tant longtemps, pour nous capables réellement jouer une justice pour Jovenel. Et bon, moi-même, parce que nous avons une situation qui est compliquée, en pile. Et j'aime d'abord dire comment dit Terio toujours là. Et comment dit Terio, comment dit Terio financier, comment dit Terio politique, et assassin toujours dans la ville là. Donc assassin, vous pouvez essayer de faire tout ça capable pour bouiller Pissio. Vous pouvez essayer de créer un chaos. Et même moi, je pense que le chaos, ça a cap fait en Haïti, je dis. Là, il parle dans le sens ça. Il parle dans le sens une stratégie. Ça, c'est la stratégie du chaos pour bouiller les pistes. Yeah. Okay? Change the narrative. Parce que ce n'est pas normal que, okay, que ça a fait là, tout kidnapping, ça a, tout gang, ça a opéré. Et puis, on n'a jamais senti vraiment qu'on a fait vraiment. OK? Contre les kidnappers, contre les bandits. Ça dit que nous avons une situation côté que quand même, on a 16 000 policiers. OK? Qui ça a empêché, par exemple, qu'on mobilise moitié force là, ok, pour dire le problème ça? Qui ça a empêché ça? Qui ça a empêché, par exemple, que Jodian là, ou on l'armée, qui a un budget de 2 millions de dollars par an, qui est totalement pas assez? Qui ça a empêché, par exemple, mettre un service d'intelligence? Parce que là, qui ça a passé? Nous avons un problème. Dans la sécurité, on a trois points. On a un point. Ou gen force police là qui li même gon force anti kidnapping là dedans qui ça fait pour renforcer force anti kidnapping là ou gen tout possibilité pour mettre encore anti gang qui t'a entraîné par une force étrangère pour capable goumer contre gang ça yo. OK, ba yo bon gen équipement, bon gen véhicule, OK, pour capable contrecarrer et gang ça yo. Donc tout ba ça yo. Et puis tout ou capable fok kounya la, m'pense que li essentiel pour mettre sous pied un service intelligence, parce que tout ça qu'a fait là, intelligence ça pas dans radio, nous même toute intelligence sous dans radio, tout ba wa fa, mais bandi a li même kidnappé a li même la tête de radio tout, il dans radio tout. So si tout na, si kounya tout ba fait dans radio, moun ke ou supposé al d'elle là, si la tête de tout stratégie ou, eh bien côté ta privé là. Donc, il faut faire attention que le chaos, ce n'est pas un chaos qui est orchestré pour capable bouiller Pissio, pour ne pas arriver à s'ouvrir et comment dire. Parce que nous connaissons que tout dans la rue. Tout dans la rue, je dis. Donc, tout ça, donc ceci pour dire qu'il faut faire attention et nous demander tout que faut des moyens additionnels qui mettent à disposition juge là, à disposition justice pays. Parce que ça, assassinat, ça. C'est la plus grande, c'est une plus grande catastrophe que le pays a gagné. Imaginez, en un mois, le pays a gagné un tremblement de terre, le pays a gagné un assassinat au président, ok? Ensuite, un cyclone. Donc, nous avons plusieurs changements faits dans le PNH là, ok? Il y a du nouveau sang. On a souhaité que le nouveau DGA, lui-même, il a recommencé à mettre pression sur l'assassin.
et sur le plan national en Haïti. Alors, même là, tout, on a demandé dans la transition nouveau DGO, est-ce qu'il y a une suite, pour nous dire une suite de progression, et quel type d'information que DG sorti a quitté au lieu pour nous dire recommencer? Je pense que la conversation que nous commençons là, définitivement montré que l'important pour nous continuer à demander justice. Et dernière fois, nous demandons qui ça nous pas dit un point de presse. Juste, je dis pas quoi que pour moi, j'ai un update qui dit, à partir des effectifs nombre de monde qui ont déjà arrêté et combien de monde qui dehors y a cherché, qui côté y a. So, je pense que ça, c'est des bagages qui aussi, d'ailleurs, les basiques même. Si toutefois que nous gagnons un pays ou bien une institution, tant que nous tous qui concernés, pour nous chercher qu'on est exactement qui est-ce qui fait ça. Là, on dit qui est-ce qui fait ça, il a arrêté un pile monde, qui est-ce qui paye fait ça. Et je pense que c'est là que la conversation doit continuer. Bon, c'est clair. Ça veut dire que, bon, là nous gardons sous plan national. Là, nous avons besoin de sous international, là, parce que nous connaissons que quand même, et ça a son crime très national qui fait. Et il y a une mafia dans le bas là tout. OK? Et j'aime garder le bas là. C'est bon bas qui simple, c'est bon complot simple. Et non seulement il y a mis de pression, mais même assassin, ça, il y a mis de pression pour nous là sur le monde qui a défendu mémoire président. Et si vous regardez bien, moi-même personnellement, je suis un monde. Et depuis le premier jour, je m'a demandé justice, je m'a demandé pour un commissaire d'enquête internationale de monter, je m'a demandé pour un tribunal international de monter. Et puis ça n'a pas fait un pile de monde président, ça a fait un pile de monde fâché. Et puis, sur un DA, il a payé les gens sur Internet, créé un faux compte Twitter, fait attaque, créé un laboratoire. Bah, ça a comme si c'est une forme d'intimidation. Mais bon. Moi-même, si l'intimidation, ça va marcher, parce que j'aime dire, moi-même, c'est mon responsabilité morale, OK, pour me continuer à demander justice pour le président pays qui mourit, dans condition que personne ne va comprendre, personne ne va connaître. Et là, je pense que moi, sous bon route là, et nous tous, nous sous bon route là, tout le monde a demandé pour ça qui passe, président Jovenel Moïse. Donc, qui j'ai que vous-même ou senti réaction internationale? Est-ce que vous pensez que réaction est appropriée? Est-ce que vous pensez que vous avez fait plus? Et est-ce que vous pensez que. Est-ce que vous pensez que y a metté y a gain une volonté réelle pour yo joindre assassin? Mais qui genre international là pour avancer après que monsieur Daniel Foot fait une déclaration comme ça pour dire que monsieur Ariel Henry gon implication dans l'assassinat président ni jusqu'à présent au pouvoir. Donc kounya là n'a pas gardé des fragments de la population qui en gang, des bandes armées, de à droite à gauche, parce que justement, où on l'État qui n'a pas fait confiance, où on l'État qui est délabré, un pays qui est disloqué, la police, avec des faibles moyens, lui-même, n'est pas qu'à venir à secourir peuple, la population. Donc, c'est pas de confiance. Pas de confiance dans le gouvernement. Là. Et si on a une internationale qui pourrait le faire, qui choisit pour nous. Je ne sais pas si c'est avec Mounsayo là que vous allez faire. Donc, en même temps, tout, la gang armée qui est dans le pays, là, pour quelle raison, c'est-à-dire que nous venons de sauver un durcissement de gangs armés après que l'homme Jovenel Moïse vini. Donc, est-ce que c'est les revendications populaires, yo, justement, nous avons des revendications que. Il n'y a pas d'espoir du tout qui fait que nous avons un durcissement de cette situation. Ou bien est-ce que c'est une radicalisation de certaines branches de la population? Ou bien est-ce que justement, c'est des mondes justement qui là pour déstabiliser le pays? Nous ne pas connaît. Donc, c'est toute question ça là justement. Même si c'est que Haïti actuellement a besoin d'une force internationale, a besoin d'une force multinationale qui peut venir pour que on certaine paix, on certaine stabilité. Ensuite, à ce moment-là, nous pouvons commencer à joindre des dossiers qui ont dormi justement, et notamment la mort du président Jovenel Moïse. Parce que ça qui est dans le pays, c'est justement c'est à partir d'une certaine impunité qu'il a depuis trop longtemps. Même sous le régime des Duvalier, quand il y a des gens qui mourent, pas jamais de justice qui baille, il y a des coups d'État militaires qui fait. Pas jamais de justice qui baille. Donc, je dis à la radicalisation, ça a de gangs armés. Il y a multiples raisons. Il y a pour des raisons, et justement, ces revendications par eux, il y a peut-être que c'est
délabrement l'État même, que ouais, que l'État, son l'État, fatra que dit. Donc, étant donné que nous même, je on pratique pour faire l'argent par eux. Donc, il faudrait justement recomposer l'État. Mais qui j'ai nous pas recomposer l'État là? Et je n'ai rien qui j'en ouais par là ou même. Bon, je pense que forme de pression que nous commençons à faire, et d'ailleurs, c'est pour la première fois que nous tendons publiquement à prononcer encore un coup de semaine. Ça a montré que l'international est important pour nous-mêmes continuer à faire pression, surtout dans la diaspora haïtienne. Par exemple, je dis à moi venir là avec des informations autour des sénateurs que nous avons supportés, surtout durant l'élection dans un Sénat qui est dans Washington DC, que vous présentez, c'est continuer à faire appel, demander pour être capable définitivement tout ça capable pour justice là capable d'arriver. Et je pense que la pression ça est important. Par exemple, je dis là, si quelqu'un qui attendait au nom Georgia, li aussi simple sous nom Boston ou aller dans Google ou capable jeune. Par exemple, pour Raphaël Warnock, pour nous faire pression, pour nous faire coup de fil. Monsieur dans Washington DC, il y a un cabriolet dans 202-224-3643. Ça a aidé en pile. On a répété encore pour Warnock, qui c'est 202-224-3643. Et l'autre sénateur, qui c'est John Ossoff. Monsieur, ça, c'est Moon qui est dans la zone Atlanta, au Cap Fell pour New York, au Cap Fell pour Miami. Coup de fil, ça est important. C'est relé Ossoff dans 202-224-3521. Je pense que ce type de pression, ça est important parce que nous-mêmes, tout nous, bon travail que nous faisons pour sénateurs, ça est, pour monde qui représente nous, on a été à côté de nous. Hein. Et ça capable arriver réellement faire un pont, côté que pression capable réellement venir établir pour être capable de faire justice ça et faire international à l'envol pour être capable de faire justice pour le président. Donc, ça n'a pas demandé là, c'est que Haïtien et qui est dans le 10e département, Haïtien dans la diaspora, pour yo impliquer yo pour demander justice pour le président. Donc, là, les sénateurs yo dit que yo ta remè que sénateurs ou bien congressmen yo même yo supporte une campagne de demander justice pour le président Jovenel. Et ensuite, nous avons un événement passé quelques jours, côté que, eh bien, yon suspect numéro 1. Yo en barcode Carlos Palacios qui sont colombiens qui t'est sauvé. On va comment arriver et Jamaïque, par contre si c'est pas bateau ou bien qui j'en arrivé, mais il quitte Haïti, il fin chez président et puis yo rejoint Jamaïque. Donc gouvernement jamaïcain mette en barcode basé son un mandat d'arrêt international et de Interpol qui t'est sous lui et ça qui vient passer c'est que eh bien moun sa yo jodia et y a discuté ensemble avec le gouvernement haïtien quoi que gouvernement haïtien et le ministère affaires étrangères l'a demandé un transfert pour que le vienne répondre question juge Gary Aurélien. Eh bien nous par contre ça qui passé, est-ce que le gouvernement jamaïcain en bail, est-ce que le gouvernement jamaïcain pas bail, parce que Carlos Palacio a son gros poisson que il prend. Un deuxième point que nous capable garder c'est que l'ONU et même là en bas au retour sous requête gouvernement TFA, sous commission d'enquête internationale là, ni sous tribunal international là. C'est comme si l'ONU pas care. L'ONU pas care. OK? Et ça a fait clair sous. Je te dis, d'après le passé, le conseil de sécurité, on va me donner rien. Mais depuis le besoin, bagaille, premier, c'est le pichot devant maintenant. Bon, j'enchaîne à dire, l'OEA, nous avant hier, Luis Almagro, secrétaire général l'OEA, lui-même, lui, mandé justice pour président Jovenel. Donc, justice là, dans le cas ça, il faut que l'OEA lui-même, il bouge l'école pour faire un café. Au niveau BINU en Haïti, bon, bah, j'en ai aucun update. Et au niveau FBI, bon, ici, parce que si son bilan a fait, si son constat a fait, on a constaté que pas aucune arrestation qui fait aux États-Unis. Donc, nous avons souhaité que vous continuez à travailler sur le dossier. Et au niveau DNI en Colombie, parce que nous songeons que quand même, au niveau FBI, il y a une compagnie ici qui était le CTU, qui lui-même, c'est lui-même qui était financé, c'est lui-même qui était voué l'argent pour mercenaires. Donc, Nex a toujours libre et libre, il y a marché dans la ville là comme si de rien n'était. Donc,
au niveau FBI, et nous pas connaît ça qui a passé. Et au niveau DNI en Colombie, donc DNI lui-même, c'est l'Agence nationale d'intelligence colombienne qui était sous dossier. Eh bien, moi, le gouvernement colombien, t'as plus content si vous lagué Negro que pour le président de la justice. Ok. Moi, je pense que la justice pour Jovenel, il est supposé venir interne. Avant tout, je pense que l'interne avant que l'international. Parce que ce n'est pas le président Paris qui mourit, c'est le président Haïti qui mourit. Donc, c'est devoir, pays d'Haïti, c'est-à-dire que ça crée une antique la justice qui est dans Haïti, hein, avec quelques institutions et puis des organisations, justement, en Haïti de la société. Je pense que c'est la justice doit d'abord venir de l'interne. Et c'est ça, je pense que l'international a gardé. Est-ce que, justement, à l'intérieur du pays, est-ce que l'effort qu'a fait de la part des Haïtiens, puis au tabac et le président par eux qui a assassiné, justice. Donc, moi, je pense que qu'on levé campé pour ta fête, il faut que son levé campé qui pour secouer, justement, l'actuel gouvernement qui a pu comprendre que, justement, le président a assassiné, il mourit. Il y a des gens qui ont demandé justice dans le pays. Hein? Et à l'interne, à l'intérieur du pays, il faut le commencer. Et après, ça a fait une fête. Je pense que l'international n'a pas un support. Je ne pense pas que nous sommes obligés de laguer le dossier assassinat président sous le dos international pour venir de nous. Pour venir de nous, par le président haïtien en justice. C'est d'abord, il faut le commencer à l'intérieur du pays. Pays a besoin qu'on ait sac passé. Président mourir, et même un peu le monde qui dit, ça dit, mon cher président mourir, et lui mourir net, mon cher continue. Ok, mais il va comprendre nos bagailles. C'est que président mourir, ok, c'est vrai. Mais dans qui circonstance, monde qui tue lui, ok, et monde qui mette l'argent pour tuer président, demain matin, on l'autre président monte, il n'y a pas d'accord à politique, président, il a crasé monde ça tout. Même bagaille. Et pays a tombé dans le même chouboum. Ça veut dire que pays a passé son trauma. Pour pays a sorti dans le trauma, il faut pays a lui-même lui connaît que tout le monde qui te commet assassinat ça, et même tout le monde ça, il y a un barcode. Parce que sinon, pays n'a pas jamais en paix. Et c'est ça nous qui a passé là. Ça veut dire que nous avons une dislocation du système, non? Ok? Qui largement bénéficie les gens qui a supporté K.O. Parce que c'est très difficile dans une situation aussi chaotique que ça pour mener une investigation normale. Parce que si vous avez la juge là pour cartouche, si vous avez la et monde qui dans la chaîne judiciaire là prend pression et vous senti que gon anarchie totale que n'importe qui assassin capable river sur yo, et bien son message que toute chaîne judiciaire là recevoir. Donc c'est pour ça que moi-même, je pense qu'au niveau local, il faut faire participer par nous, mais pas oublier, monsieur, son crime transnational que lié. Comment un juge en Haïti est capable de traiter un dossier CTI aux États-Unis qui lui-même financé un groupe Colombie pour venir tuer un président en Haïti? Donc ça dit que le crime, ce n'est pas un crime qui est en Haïti seulement. Et c'est pour ça que nous demandons tout une commission d'enquête internationale. Mais je ne vais pas faire par une volonté pour faire. Parce que y a pas une volonté vraie pour arriver sur assassin sur qui est-ce qui tue président. Et puis pour qui ça tout, est-ce que un coucou rouge qui l'a guidé tout nègre qui n'a marron yo pas senti ça journée jodi a l'ordre dit c'est haïtien, c'est comme si Ndadou son c'est son maladie qu'on gagne, quel que soit mon dit que c'est haïtien et mon gado mal, il dit ça va passer pays là, est-ce qu'on font pacte avec le diable? Est-ce que c'est pi mauvais bail que avant j'ai déconné les moun Somali, les dernier problème Somali et dans les années 80, et même moi que c'est consacré et nous pas besoin arriver là, nous pas besoin arriver là, nous sommes un petit pays, nous sommes peuple quand même qui grand pile fierté. OK, nous fait l'honneur d'un pays, nous libérer pays nous de l'esclavage des esclavagistes. OK, nous pas besoin arriver dans ce côté nous là aujourd'hui. Et c'est pour ça que
faut que nous avons une position de principe. Une position de principe pour moi de justice pour le président Jovenel. Ou pas obligé besoin poste, ou pas besoin job pour apporter de justice. OK? Donc, je voulais faire point ça à passer, que nous allons continuer la bataille pour que justice faite pour le président Jovenel. Et je remercie tout le monde. Je remercie Chenet, je remercie Evans, je remercie nous tous qui participent. Et puis, on nous continue la bataille pour demander justice pour Haïti, justice pour le président Jovenel, pour que ça ne soit jamais fait encore dans l'histoire du pays.